السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. منتخب فلسطين يقرر رسميا استقبال منافسيه في الجزائر. تابعوا معنا هذا الفيديو. La Palestine veut jouer ses matchs en Algérie. Eh ouais, ça y est, c'est officiel. Je vais vous expliquer tout ça. Abonnez-vous pour plus d'infos sur le football algérien. Ça me soutient. En plus, c'est gratuit, donc ça fait toujours plaisir. Et c'est officiel, c'est carrément le président du Conseil suprême de la jeunesse et des sports du Comité olympique de la Palestine qui a annoncé hier à la radio directement qu'il a fait la demande à la FIFA pour pouvoir organiser les matchs de la Palestine en qualification pour la Coupe du Monde 2026 en Algérie. Parce que je vous rappelle qu'avec le contexte qu'il y a en Palestine, c'est toujours compliqué d'organiser des matchs là-bas. Et c'est pour ça que la Palestine doit trouver un autre terrain pour organiser les matchs. Mais on connaît aussi la fédération algérienne et la fédération palestinienne. Ils ont de très très bonnes relations. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que les joueurs locaux en Algérie font souvent des matchs amicaux avec la Palestine. Parce que les fédérations sont vraiment des fédérations amies. Donc c'était un peu logique de la part de la fédération palestinienne de faire leur demande de jouer en Algérie. Surtout qu'en plus en Algérie, il y a beaucoup beaucoup de supporters qui supportent la Palestine. Je vous rappelle aussi le match qu'il y a eu Algérie-Palestine. J'en avais déjà fait une vidéo. Il y a eu Algérie-Palestine en Algérie, la Palestine avait marqué et tout le stade avait carrément chanté pour la Palestine. Donc c'est dire aussi la ferveur qu'il y a pour la Palestine là-bas. Donc en vrai ils le savent, c'est un peu comme s'ils jouaient à domicile.